Pour améliorer les conditions des enseignements-apprentissage à ces jeunes apprenants de l'école franco-arabe Latifatou Abdoulaye de Goudampe, Mamadou Doudou Bosco Sadio leur a fait don de ses tables bancs. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un don de 5 tables bancs qu'on a donné à l'école franco-arabe parce que notre objectif c'est d'avoir un système éducatif de qualité et surtout et de faire tout pour que les enfants de Goudom puissent participer à la compétition au niveau national, voire au niveau international. Parce que l'éducation est à la base de tout. Aucun pays ne peut se développer sans avoir un bon système éducatif. C'est des tableaux qui ont quitté la Turquie. Bon, le donateur, c'est Mamadou Sadio, né Mamadou Doudou Bosco Sadio. Il est dans le mouvement des cadres de PASTEF. C'est un homme politique. Mais au-delà de la politique, il est Goudompois. Il est sénégalais, donc il doit participer au développement de ce pays-là. Et on ne peut pas développer le pays en laissant à côté le système éducatif. Habitué des faits, le généreux donateur envisage de toucher d'autres établissements scolaires de Goudompe. Avant ce don-là, nous avons eu à réfectionner des tables bancs au niveau du CM3 et qu'on a déjà donné à l'administration. Et dans l'avenir, notre souhait, c'est au moins dans chaque établissement scolaire de Goudom, équiper au moins 2 salles de classe en tableau neuf. Un équipement qui va inéluctablement faciliter les enseignements apprentissage, a souligné l'équipe pédagogique de Latifatou Abdoulaye. En tout cas, c'est une grande satisfaction de recevoir ces tableaux bancs, parce que ça nous aidera beaucoup. Nous avons déjà un manque de tableaux bancs. Les élèves s'assient par 3 ou bien par 4. C'est vraiment un acte symbolique qui nous va droit au cœur. Nous vous remercions vraiment pour cet acte. Donc on le remercie et nous prions aussi pour lui, qu'Allah lui donne davantage de bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Pour manifester tout leur contentement et dire encore une fois de plus merci aux donateurs, les principaux bénéficiaires ont récité ces quelques versets coraniques. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو تعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون